craquer. Non, 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 de Dieu. C'est fait. Ça, c'est fait. Eh bien, on est les seuls à avoir choisi la route sud. C'était son Il en fallait une. Ça s'est passé plutôt très 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 bien sur beaucoup d'aspects, à part que la météo n'était jamais au rendez-vous par rapport à nos fichiers qu'on téléchargeait. C'était compliqué. Beaucoup d'orages, on a eu pas mal d'orages. Et voilà, donc nous, je pense que notre traversée a été marquée essentiellement par les grains, les orages, les éclairs, les nuages. On a une belle maîtrise des nuages. Voilà. Et de la pétole. On a eu pas mal de pétole et pas mal de prés, finalement, parce que pour sortir de toutes ces mini-dépressions, il a fallu parfois couper au milieu et donc faire du pré. On a fait du pré pendant 4 jours. Puis après, on a choisi des bois de travers parce qu'on avait déchiré. Voilà, alors évidemment, le spi lourd, il a été déchiré assez tôt finalement, au niveau du Cap Vert à peu près. Ouais. Comme le spi lourd est quand même un outil indispensable dans les Alizés, ça a été compliqué là ces derniers jours. Hein, pour nous, c'était long. Sinon, de belles rencontres aussi. Ah oui, jusqu'à un oiseau qui nous a accompagnés jusqu'à l'île des Cabris, posé sur la bouée. Alors, il est venu la nuit dernière. Oui. Probablement Asterne. Il s'est posé sur la bouée, il devait être crevé, quoi. Et il est resté 3-4 heures avec nous. Et puis, on s'est dit, bon, au petit jour. Et il est revenu cette nuit. Il s'est reposé au même endroit et il nous a largué à l'île des Cabris. Après être resté 2-3 heures, pareil, au même endroit, à se reposer. Ouais. Dauphin, rorcal, enfin non, franchement, ça a été un festival. Un beau rorcal qui jouait dans les vagues. Magnifique. Nous, qui passait sous la quille. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était magique. Mais alors, il faisait 7-8 mètres à peu près, pas loin de la bébé. Taille du bateau, ouais, c'est un bébé. Un petit jeune. C'était long. Oh, oui, c'était magique, franchement magique. Donc voilà, très, très belle. Puis humainement, on s'est super bien entendu. Pas un mot plus haut pas que l'autre. De sang, pas de sang. pas de blessure. On a respecté vachement nos cœurs. Je pense que ça, c'était important. On avait les petits plats magiques. Ça, ça a été... On a tout mangé, là, effectivement. 20 jours, il ne restait plus rien. Il restait des pâtes, là, juste de quoi faire une journée de plus avec des pâtes. L'alimentation, il n'y a pas de soucis. Le sommeil, on est à peu près calé. On n'a pas beaucoup dormi, quand même. On est un peu épuisé, mais bon. Manque un peu de sommeil. Mais sinon, c'est magique. Magique. Ouais, c'est le mot. C'est magique. Ouais.